Le 26 mai, c'est le jour où vous pourrez choisir les députés qui vous représenteront au Parlement européen. Ça peut sembler loin, le Parlement européen. Et pourtant, c'est grâce à l'Europe que les données personnelles qui circulent sont protégées. C'est aussi l'Europe qui permet d'utiliser son téléphone portable sans coût supplémentaire dans un autre pays. C'est l'Europe qui permet de se nourrir en sécurité. Votre voix compte, alors votez le 26 mai. Europa heißt einerseits offene Grenzen, Europa heißt aber auch die Möglichkeit zu haben, in allen anderen europäischen Ländern zu arbeiten, zu studieren oder eine Ausbildung zu machen. Wenn ihr wollt, dass diese Errungenschaften bestehen bleiben, dass sie verbessert werden, dann gebt am 26. Mai eure Stimme ab. Ihr könnt entscheiden, welches Europa wir sein wollen. Ich wünsche mir ein Europa, das für Frieden, Vielfalt und Fortschritt einsteht. Deshalb gehe ich als Bürgerin der EU wählen, um dem Scheitern der europäischen Idee entgegenzuwirken. L'Union européenne connaît une crise de légitimité démocratique auprès de la population des États membres. Est-ce qu'il ne serait pas temps de réviser les traités afin de renforcer les pouvoirs du Parlement européen et notamment de lui octroyer le droit d'initiative législative? Europa wird nur mit einer starken EU auch in Zukunft stark bleiben. Dazu ist es wichtig, dass die Europäische Union handlungsfähige und durchsetzungsstarke Institutionen hat. Denn nur so kann durch konkrete Politik das tägliche Leben der Menschen in Europa verbessert werden. Und nur so kann Europa auch international mit einer Stimme sprechen. Ich gehe wählen, damit auch meine Interessen in einem modernen und offenen europäischen Parlament vertreten sind. Mit meiner Stimme gebe ich meiner Zukunft eine Chance. L'Union européenne, c'est un projet. Et ce projet, il doit se construire avec les jeunes. Et il y a déjà des initiatives, la stratégie jeunesse, par exemple, que nous avons adoptée à Bruxelles et qui est issue d'un dialogue avec les jeunes dans toute l'Europe. Les jeunes, ils doivent faire bouger l'Europe, la faire avancer. Je pense notamment au climat. On a vu que les jeunes sont très mobilisés sur cette question-là. Il faut donc qu'ils s'investissent et qu'ils votent pour faire évoluer un certain nombre de choses au niveau européen. Die EU garantiert Frieden und Sicherheit und davon profitieren wir alle. Daher kann es nicht sein, dass in Krisenzeiten EU-Mitgliedstaaten sich weigern, Verantwortung zu übernehmen. Wir brauchen mehr Solidarität und Zusammenhalt. Europa steht heute vor ganz anderen Herausforderungen, als dies noch vor zwei oder drei Generationen der Fall war. Deswegen liegt es an den jungen Menschen, also an euch, ein Europa zu schaffen, das sozial ist, demokratisch und vielfältig. Noch nie hatten junge Menschen so viele Möglichkeiten in Europa, wie das heute der Fall ist. Und noch nie gab es aber auch so viele Menschen, die genau das verhindern wollten. Deswegen ist es so wichtig, dass wir alle am 26. Mai zur Wahl gehen und wählen für ein starkes Europa. Notre génération, celle de nos parents et parfois même de nos grands-parents, ont eu la chance immense de ne pas connaître la guerre. Et la paix, ça a été pendant très longtemps le moteur de la construction européenne. Aujourd'hui, il faut allumer d'autres moteurs. Et pour ça, la mobilité, c'est un élément essentiel. Parce que étudier, travailler, s'engager dans un autre pays européen, c'est aussi développer un attachement à l'Europe et développer du commun sur ce continent. Vivre dans un autre pays, parler une autre langue, découvrir une culture voisine, c'est ça aussi vivre l'Europe. Unsere Stimme zählt.